Salut, c'est Tabeco Gaming et aujourd'hui, Avec au gaming. oui, merci Echo. Aujourd'hui c'est salut la mif, c'est Tabeco. Ah non, c'est Tabi. On va regarder la BD de Elisabeth Nidia. Elisabeth Banella. Let's go. Tabico Gaming, et bien aussi on fait des vidéos Minecraft et des vidéos à Minecraft tous les jeux pour sur Twitch. Salut. Intelligent. Là 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 là. Fais-moi du pain s'il te plaît. Là 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 là. Qui c'est qui a pété? Mais donc, ce serait pas Bob Lennon? Allons voir. Bruit de pas. Insérez ici le bruit de pas au montage, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Oh, mais qui vois-je? Serait-ce Raziel Raziel Blackwing? Blackwing. Oh! Raziel Blackwing, deux points. Je reviens de chez Tabico. Je vais. Raziel Blackwing, deux points. Je vais pleurer, Elise. Elisabeth Nilia, deux points. Nani, qu'est-ce qu'ils ont fait encore, Tamiko? Oh non! Elle se met un doigt dans Oui. l'oreille. Ça s'appelle pas l'ultra. Je m'en vais. Bruit de quelqu'un qui se retourne à insérer au montage, s'il vous plaît. Raziel Blackwing. Ouah, Raziel Blackwing. ouah. Hop, hop. Le Je journal RT. me trouve maintenant à l'horizontale. Qu'ai-je fait pour mériter ça, Jésus? Je suis Jésus. Merci, n'hésitez pas à vous abonner. Bravo. La musique Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Bande de malpropres. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, qui a vraiment trop fait chier. La société qui m'a fait les travaux était persuadée que j'étais un blaireau. Ils m'ont dit qu'ils faisaient les travaux en 4 mois et ils se sont branlés pendant 9 mois. Quand j'étais absent, certainement en tournée, les ouvriers faisaient venir des prostituées. Y avait le menuisier qui était sérieux quand je pense que j'ai payé ces enfoirés. À l'ouverture, j'ai employé des garçons. Je ne savais pas que j'employais des cochons. Les filles à côté, malpropres, n'étaient pas mieux. Elles s'en foutaient éperdument de la saleté. Le service hygiène serait passé. Oh non, merci.